foutre le bordel. Vous êtes le plus discret possible et vous venez directement sur l'endroit. Ok. Et le plus discret possible. On y va. Et comme au premier temps des rêves, ils trinquent les entrepôts à la recherche d'espace pour organiser leur soirée. Cette nuit, ils ont décidé de frapper très fort. Une rêve clandestine en plein cœur de la capitale, dans un décor digne de Blade Runner, sous les quais de Bercy. Pour eux, c'est un beau pied de nez à la police. On se plaint tout le temps que la jeunesse faut rien, que la jeunesse ceci, la jeunesse cela. Et nous, dans genre jeune, qui essaye justement de faire plein... Alors ouais, on monte pas une SARL pour faire un million de chiffre d'affaires le premier mois, alors on n'est pas respecté. Mais sinon, en termes d'efforts, en termes, on est monté en structure associative, on a des labels qu'on fait fonctionner, c'est des labels indépendants, on est autonome, on fait fonctionner nos labels nous-mêmes, on a sorti une vingtaine de disques. Enfin, tout ça, et on parle pour nous, mais il y a plein d'autres gens qui font plein d'autres choses comme ça. Et ben tous ces gens-là sont muselés, sont mis de côté, moins vous en ferez et moins vous pourrez faire de choses et mieux ce sera. Et en même temps, on nous dit, ah oui, vous vous bougez pas, ah oui, machin, c'est complètement hypocrite. Alors voilà, quoi, on rentre dedans histoire de voir si on fout la merde, quoi, remue un peu la merde. Voilà. Il faut faire vite pour éviter de se faire repérer. Pour l'électricité, on a loué un groupe électrogène. En quelques heures, les enceintes sont fixées et les platines prêtes à s'emballer. Le son underground se fabrique dans les sous-sols parisiens. Ex-membres des VRP, groupe alternatif des années 80, les Pushy sont aujourd'hui à la pointe de l'avant-garde électronique. On fait notre truc, on rencontre des gens, ceux avec qui il peut se passer quelque chose, on le fait, même si ça rapporte un minimum, on le fait quand même, parce que ce qu'on a envie, c'est de faire des choses. Dans les choses qui se font pas spécialement, justement, c'est un peu faire ce qui se fait pas, c'est-à-dire déstructurer un rythme, alors que justement dans la techno, c'est très carré, tu vois, nous on essaye d'éclater tout ça et de faire autre chose, quoi. On fait rien contre les gens, on fait notre musique et finalement on nous la classe dans l'underground, donc on subit. Disons qu'on ne fait pas non plus grand chose pour arranger notre musique et qu'elle devienne médiatique, quoi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de personne à écrire une charte de l'underground, quoi. Tu te retrouves dedans si tu baisses pas ton froc, en gros, c'est ça que je voulais dire. On veut pas absolument être underground. Underground. À Musique Underground, lieu de distribution parallèle. La musique de Pushy est distribuée dans ce kiosque à journaux du 18e arrondissement de Paris, surnommé Éclectique. Le but, c'est de vendre les gens qui sont pas forcément distribués ou je prends tout ce qu'on m'amène. J'essaye de trouver moi-même des trucs, cassettes, vinyles, zines, CD. J'essaye de rassembler un maximum de fanzines vu que c'est un kiosque à journaux. Donc c'est ça ma passion parce que ouais, c'est un moment que j'écoute de la musique électronique. J'aime ça, ça change de vendre Gala ou Voici. Objet fétiche de l'underground, le vinyle. Tiré à très peu d'exemplaires, ces disques sans label, aux pochettes vierges, sont diffusés par quelques rares magasins de disques. On se spécialise dans le vinyle, qui est le support le plus chaleureux, le plus pratique pour mixer finalement. Mais les trois quarts des productions ne sont pas du tout des carrés. Il n'y a aucun droit d'artiste dessus. Ça reste donc à 500 copies généralement, donc extrêmement limité. Et la SACEM ne peut pas contrôler tous les produits qu'on a de toute façon. À la fois DJ, organisateur de free parties et membre de l'organisation de la Technoparade, Kraft fait le grand écart entre l'underground et le mainstream. Contrairement au pur et dur, il n'a pas peur de la récupération médiatique. J'ai pu faire passer Manu le Malin à 10h du soir sur Énergie à samedi, et je veux dire qu'il n'a pas fait de cadeau. Il a même été avec ce qu'il avait de plus couillu dans son bac, et je trouvais ça bien qu'il faisait Manu à 22h un samedi soir, qui jouait du gros hardcore à 200 BPM. C'est là, on a enfoncé une barrière, donc récupérons la récupération, si tu veux. On serait commercial, on ferait techno-musique, connexion, ou les conneries compiles que t'as dans les bacs de la FNAC, tu vois. Vous voyez Bercy Expo là-bas? Ouais. La fête, c'est sous Bercy Expo, dans la gare de fret de Bercy.
moment, les free parties sont toujours clandestines. Les ravers sont informés au dernier moment du lieu squatté. 1 kilomètre à pied, un coup de tampon et ils pourront danser jusqu'à l'aube au son des BPM les plus extrêmes. Ce soir-là, ils étaient 4000, la police n'est pas intervenue. Tapis dans les dédales des grandes capitales européennes, l'underground n'a pas fini de faire brûler le cœur de la techno.